Père de trois enfants, Alain Delon a tissé des liens plus forts avec sa fille Anouchka qu'avec ses deux fils, Alain Fabien et Anthony Delon. L'acteur ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Le monde du cinéma est enveloppé d'une grande tristesse. Ce dimanche 18 août, Alain Delon est mort, à l'âge de 88 ans. L'acteur laisse derrière lui trois enfants, Anouchka, Anthony et Alain Fabien, qui se sont tous déchirés ces derniers mois. Une fin de vie à l'image du reste, entre Alain Delon et ses trois enfants, les choses n'ont pas toujours été simples. Il y a d'abord sa relation avec sa fille Anouchka qu'Alain Delon, souvent présentée comme sa préférée. Pour preuve, quand il avait foulé les marches de Cannes pour recevoir sa palme d'or d'honneur, la légende du cinéma français avait choisi de snober ses deux fils. Alain Fabien et Anthony Delon, poussant la provocation à son paroxysme en arborant fièrement un badge à l'effigie de sa fille sur le col de son costard. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Anthony Delon avait révélé que lui et Alain Fabien n'avaient même pas été invités à cet événement. Il faut dire que les relations entre père et fils ont toujours été en dents de scie. Entre Alain Delon et ses enfants, de tacles en provocation. Alain Fabien Delon faisait également état de cette relation compliquée dans son livre, De la race des seigneurs. Une œuvre sur les relations compliquées entre un jeune comédien et son père, star du cinéma, qui fait forcément écho à la vie du jeune homme de 30 ans. Pourtant, l'ex-compagnon de Capucine Anna va toujours fermement nier toute ressemblance avec sa vie, reconnaissant toutefois avoir vécu certains épisodes relatés dans son livre. De son côté, Anthony Delon avait raconté sa vie d'enfant battu, également dans un livre, publié en 2022. Des relations très difficiles, de l'amertume et beaucoup de rancœur au sein d'un clan recomposé dont la figure paternelle a trop de fois été écornée. Une figure modèle parfois trop encombrante pour ses progénitures qui ont tenté de se construire à l'ombre du charisme de leur papa. Au milieu de cette éternelle bataille entre père et fils, Anouchka s'attire toutes les faveurs d'Alain Delon. Le comédien a toujours considéré sa fille comme « l'amour de sa vie ». Et lorsqu'il s'agissait de parler d'Alain Fabien et Anthony, le guépard se montrait beaucoup moins tendre, le rapport père-fille est si particulier. Avec eux, c'est plus difficile. Peut-être parce que ce sont des garçons, on se dit qu'on est le fils d'Alain Delon et on ajoute « pourquoi on ne réussirait pas au cinéma ?» Ils m'ont assez fait chier de ce côté-là, lâchait-il. La mort efface-t-elle tout ?